ce modèle économique entraîne une convergence entre Michelin et les transporteurs parce qu'ils vont se rémunérer sur les 44 pneus qui ne sont pas fabriqués, le caoutchouc qui n'est pas consommé par ces 44 pneus, mais le service rendu, les 10 millions de kilomètres parcourus seront toujours les mêmes. Donc on ne dégrade pas le service rendu, mais on consomme beaucoup moins de matière. Donc on va avoir un découplage entre la matière première mise en œuvre et le service rendu qui reste au moins le même, voire meilleur. Quand on éclaire cet exemple avec une entrée soit ingénieur, soit géographe, ce qui est intéressant, c'est que ça redonne du sens à l'ingénieur que j'étais, c'est-à-dire que je fabriquais des voitures pour qu'elles deviennent obsolètes rapidement, fut un temps. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va concevoir des pneus pour, dans un but qui a du sens et avec une durée de vie beaucoup plus longue. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le couple fournisseur-client, habituellement, il y a toujours un rapport de force. Là, dans ce modèle économique, il y a une convergence d'intérêts, il y a une synergie. Donc les travailleurs, les employés de chez Michelin et les employés du transporteur vont avoir une tendance à coopérer et vont être invités à coopérer beaucoup plus facilement. Ça peut être vrai en B2B, en B2C, entre collectivités publiques et puis partenaires privés. Les emplois, comme je vous disais, effectivement, il y a 44 pneus qui ne sont plus fabriqués, donc c'est des emplois industriels, mais je les connais bien parce que je les ai côtoyés, ces emplois industriels, c'est souvent la sous-traitance de sous-traitance de sous-traitance, on ne sait plus où c'est fabriqué, on ne sait plus comment c'est fabriqué, même les industriels ne savent plus, hein. Je côtoie assez des ingénieurs textiles qui me disent mais on ne sait plus où sont fabriqués nos produits. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement des emplois industriels qui ne sont pas créés, mais des emplois serviciels, accompagnement à l'éco-conduite, réchappage des pneus, maintenance des pneus, des emplois serviciels qui sont localisés sur un territoire donné et qui sont rendus visibles. Donc on ne peut pas sous-traiter, ce n'est pas des emplois qu'on peut sous-traiter, donc c'est plutôt des emplois qualitatifs qui sont créés. Et ce qui est intéressant, et ce qui va alimenter le débat, c'est qu'effectivement, on a une décroissance matérielle, le caoutchouc mis en œuvre, le fait qu'on mette moins de gasoil puisque c'est des pneus à économie d'énergie, mais on a une croissance immatérielle qu'on appelle, donc effectivement, quand on dit le mot croissance, ça peut faire hérisser les poils de la peau, mais là, une croissance immatérielle, c'est-à-dire que des enjeux de santé, on peut très bien imaginer une population de plus en plus en santé, ou une population de plus en plus en compétences, ou bien des offres de solutions proposées par des entreprises de plus en plus pertinentes, et ça peut se développer, je dirais, quasiment à l'infini. Les compétences des gens peuvent se développer à l'infini sans que ça consomme de la matière première et des ressources finies. Voilà, donc on va être sur un schéma de décroissance matérielle et de croissance immatérielle sur l'économie de la fonctionnalité. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de citer le deuxième exemple, ce n'est pas forcément obligatoire. Ça va, quoi ? Bon. Un deuxième exemple, ok. Donc, le deuxième exemple, alors effectivement, on est sur le modèle Michelin, ça a été créé par un industriel, très bien, qui me permet, moi, d'expliciter à mes élèves ingénieurs ce qu'est ce modèle. Mais par contre, ce modèle, on dit qu'il est basé sur une performance d'usage, parce que toutes les externalités, les accidents en moins, parce qu'il y a eu éco-conduite, donc il y a moins d'accidents, il y a moins de pollution, les externalités positives ou négatives ne sont pas intégrées dans ce modèle d'affaires de l'entreprise, dans ce modèle économique. Elles ne sont pas réfléchies, elles ne sont pas évaluées. On sent bien que c'est un modèle qui est intéressant pour le territoire, mais là, pour l'instant, il se fait hors territoire. On a un exemple qui est intéressant, c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, dans l'Est de la France, qui avait un enjeu de rénovation thermique des bâtiments, des logements. Alors je suis désolé, d'habitude je projette, voilà, c'est la première fois que je fais la présentation sans projection. Et là, ce qu'on appelle, on va plutôt être sur une performance territoriale. On va passer de la performance d'usage, qui est un truc plutôt d'industriel, à une performance territoriale qui va intéresser les différentes parties prenantes du territoire. Donc cet enjeu de rénovation thermique, hein, qu'on partage avec tous les territoires du Nord-Europe, grosso modo, les Anglais, les Belges, voilà, un enjeu de rénovation énergétique des logements, dans un territoire avec des populations ayant de faibles ressources, donc c'est un exemple concret qui existe, et donc pas de capacité à réaliser les investissements nécessaires par les populations pour rénover leur logement, donc logement insalubre ou alors pas capacité à se chauffer, enfin, voilà. Et dégradation de qualité de l'air, des choses comme ça. Au départ, un élément de réponse recherché, la capacité à garantir, notez bien, la capacité à garantir une performance thermique. On est sur ce que j'appelle une entrée science dure, ingénieur, la performance thermique. On va rechercher la performance thermique au départ de cette expérimentation. Mais vous allez voir que la performance qui va être recherchée finalement par les différentes parties prenantes va être très différente de la simple performance thermique.
Ce qu'on constate quand on fait des travaux chez soi par des artisans ou les collectivités, quand elles ont des programmes d'éco-quartier ou autres, c'est qu'elles ont beaucoup de mal à gérer. Et effectivement, quand il y a une ambition politique forte d'éco-quartier, il y a souvent, dans la chaîne de sous-traitance classique, dans la chaîne de valeur linéaire, les sous-traitants, sous-traitants, qui, à chaque fois, l'ambition politique d'un éco-quartier qui serait très développement durable, s'effiloche petit à petit parce que chacun dans ses sous-traitants essaie de tirer ses marrons du feu et puis au final on a une performance thermique dégradée ou des choses comme ça, ou des malfaçons ou alors des conditions de travail qui ne sont pas respectées, des choses comme ça. Là l'idée c'est que de la même façon que Michelin et les transporteurs, on va chercher à créer un écosystème qui va avoir un intérêt à réussir ensemble. Si on arrive à poser ces questions, ces conditions-là, où on arrive à engendrer ça dès le départ, les différentes parties prenantes vont avoir un intérêt à réussir ensemble, et du coup, c'est beaucoup plus facile, en termes de management de projet, que ça fonctionne. Donc la SIC a été créée pour ça, donc cette SIC, ça avait comme un tiers de confiance, assurer la direction globale des travaux en tenant compte de l'intérêt individuel des parties prenantes, mais aussi de l'intérêt collectif. Donc il y a un tiers qui vient effectivement arbitrer entre guillemets entre l'intérêt du locataire, du propriétaire, de l'énergéticien qui va vendre, de l'artisan qui va faire la rénovation. Donc on a une gouvernance qui se met en place dans cette SIC, une gouvernance participative et partagée de effectivement 6 collèges et chacun a une voix. La collectivité qui porte le programme au départ a une voix, l'énergéticien a une voix, les professionnels du bâtiment ont une voix, les propriétaires et locataires ont une voix, et c'est une gouvernance qui se réunit régulièrement. Voilà. Et la performance finalement qui est recherchée, elle n'est pas uniquement thermique. Une fois que les différentes parties prenantes ont donné chacun leur envie et leurs besoins, la performance qui est recherchée, c'est finalement garantir des résultats durables et mesurables d'économie, de confort et de qualité de vie. Garantir des résultats durables et mesurables d'économie, de confort et de qualité de vie. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement sur une notion de science dure, ingénieur thermique, on est sur une notion de confort thermique, on est sur une notion de santé de la personne qui va poser l'isolant ou les différentes peintures ou autres, ou de la personne qui vit dans le bâtiment. Donc on est sur des dimensions de la performance très hétérogènes, et qui peuvent seulement être évalués au fil de l'eau et pas uniquement quantifiés par des ingénieurs. Voilà la grosse différence de ce modèle-là. S'il y a un programme, par exemple, d'une collectivité de réhabiliter une centaine de logements, cette gouvernance, au départ, elle peut surveiller les 3 ou 4 premiers logements qui vont être réhabilités. Et peut-être que les artisans ou les opérateurs vont dire « Nous, on a travaillé dans de mauvaises conditions, comment on peut faire pour améliorer ?» Ou alors les locataires ou les propriétaires vont dire « Bah, il y a des malfaçons, donc comment on peut faire ?» Voilà. Mais cette gouvernance va très vite pouvoir donner un retour de comment se passent les chantiers et puis de s'adapter. Voilà. Merci. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de voir que nous sommes nombreux. J'ai compté beaucoup plus, parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés depuis le début, que nous sommes depuis le début de notre arrivée dans l'amphi. Alors ce qui est très intéressant, je me présente, excusez-moi, Christelle de Crémier. Je suis enseignante en Master 2 d'ingénierie financière, c'est-à-dire que j'enseigne à des futurs traders. À Créteil, et je leur enseigne comment la déréglementation financière engrange et accélère la crise climatique et écologique. Quand ils sortent du cours, donc qui a été permis par le maître de conférence, c'est son action, on va dire, militante, c'est de leur permis d'enseigner. Ils me demandent, madame, qu'est-ce qu'on va faire ? Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Moi, je leur dis, n'oubliez pas ce cours et rentrez au cœur des SOG, des BNP. Et n'oubliez surtout pas, vous allez vous former encore plus et après vous sortirez pour faire autre chose. Donc ça fait maintenant, je vais commencer ma 5e génération. On a fait un groupe, de forum pour pouvoir se suivre, pour tous ceux qui sont passés par ce cours totalement barge qui s'appelle crise et marché financier. Ce qui est très intéressant et que je voulais souligner, ça a été aussi organisé par Jean Morlet.
avec qui nous co-animons le groupe de travail économie écologiste, c'est d'avoir justement proposé à Stéphane Bouc de faire cette présentation et de voir une diversité, parce que les interventions, et notamment la mienne, n'iront pas dans le même sens. Là, ce qui a été présenté, c'est, je dirais, Stéphane, ce qu'il y a à aujourd'hui, dans l'état actuel de notre système économique, ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire ce qu'on peut faire de mieux sans rien changer aux règles du jeu. Ce que je voudrais vous dire, et de la manière la plus simple possible, parce que je considère que l'économie est quelque chose de citoyen, c'est-à-dire que n'importe qui n'a jamais été formé devrait pouvoir parler de politique économique, et qu'elle nous a été arrachée, qu'elle nous a été subtilisée de manière idéologique mais très réussie. Je voudrais pouvoir vous montrer de manière simple qu'en fait, le système économique actuel, avec ses fondamentaux, est incompatible avec l'écologie. On peut jouer à l'intérieur pour moduler, pour adoucir, mais sur le long terme, quand on parle de post-croissance, quand un écologiste dit de plus en plus, pas seulement depuis 72, mais aujourd'hui on continue à le dire, et nous voulons une société post-croissance, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'on remet en question, moi je développerai surtout sur l'aspect économique et financier, et notamment sur le fait que quand on est dans la post-croissance, on ne peut pas avoir d'intérêt. La notion d'intérêt est liée intrinsèquement à la croissance. Donc je vous propose de commencer mon propos par quelque chose d'assez, des rappels, on va dire, un peu théoriques, mais qui permettent de remettre un peu dans les cases. Notre économie se décrit en trois mots, qui sont des mots valises que vous utilisez tous, mais qu'on va essayer de qualifier de manière simple. C'est une économie de marché qui est libérale néoclassique et qui est capitaliste. C'est les trois caractéristiques de notre économie. Après, il y a plein de nuances. Vous allez entendre l'ordolibéralisme, le social-libéralisme, etc., le keynésianisme. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que finalement, je vous avoue, c'est en fait à peu près toujours la même chose. Donc, sur l'économie de marché, qu'est-ce qui caractérise une économie de marché? C'est une économie où le prix est déterminé par l'offre et la demande. C'est une loi, on va dire, c'est les fameuses lois du marché. Loi, c'est très important le mot loi, j'y reviendrai par la suite. Ça veut dire que ça ne dépend pas de nous, citoyens. C'est quelque chose qui nous dépasse et qui nous est imposé. Donc les lois de l'offre et de la demande, elles sont... Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas compatibles avec l'écologie? Parce qu'elles sont aveugles. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent tenir compte, puisque ce sont des offres faites par des êtres humains, de plus en plus par des robots, mais qui sont quand même programmés par des humains, et par la demande qui est aussi réalisée par des humains ou des robots. Pour info, 70% des transactions boursières aux États-Unis sont automatiques et robotisées. Le problème, c'est que cette offre et cette demande ne tiennent compte ni de toutes les destructions en amont, de tout ce qu'on a détruit de manière irréversible, et de tout ce qu'on a produit en termes de déchets, de pollution et d'exactions pour la santé du vivant en général, et l'homme est bien sûr inclus là-dedans. Et le fait de absolument pas tenir compte ni de tout ce qui s'est passé avant, ni de tout ce qui va se passer après, fait que, effectivement, le prix qui est fixé, moi je le dis un peu pour vous choquer, mais c'est pratiquement n'importe quoi. Le prix n'a pas de réalité. Le prix est une convention, c'est un immense jeu dans lequel c'est comme si la planète entière jouait au Game Boy. C'est-à-dire qu'ils se sont donné des prix et ils se sont dit, on a une convention avec plein de règles du jeu, mais qui finalement n'est pas raccrochée à la réalité. Pardon ? Elle est dissociée absolument de la valeur. Et là, ce que vous parlez de la valeur de l'usage, et de ce dont vous parlez, de la partie qui renvoie aussi une partie philosophique. Ensuite,
on est aussi dans une économie libérale néoclassique. Alors, le libéralisme a autant l'économie de marché que le libéralisme remonte à plus de 2 siècles. Et ça n'a pas changé, on est toujours dans la même perspective. Le libéralisme a été créé, au départ vous savez que libéral veut dire gauche, ça veut dire gauche en anglais. Le libéralisme a été censé mettre fin à l'hérédité de la richesse. C'est-à-dire qu'il permettait à des non-nobles de pouvoir aussi accéder à la richesse à travers la liberté d'entreprendre et à travers la liberté de s'enrichir. C'est pour ça que c'était perçu comme une sorte de libération par rapport à un monde de conservateurs. Donc ça a gardé cette racine-là quand on parle de libéral. C'est pour ça que très souvent, libéralisme et démocratie sont associés, parce que ça a été le moment où il y a eu un basculement, la fin de sociétés héréditaires et l'avènement d'une bourgeoisie. Dans le libéralisme, il a dit quoi? Comment il a obtenu, comment il a réussi à gagner à l'époque? En fait, il a dit au roi, qui était le représentant du pouvoir politique, il lui a dit, laissez-nous faire, et en échange, eh bien nous, on vous assure qu'il y aura l'ordre, parce que vous avez la main invisible. Et cette main invisible du marché, elle va faire en sorte que les choses vont tout d'un coup se mettre ensemble, tout va être très bien fait, et vous, finalement, nous, on vous promet que même si vous sortez de cette société extrêmement héréditaire et bien structurée, vous aurez quand même l'ordre public, on vous le garantit. Et c'est notre engagement. Et donc, l'idéologie est partie de là. C'est-à-dire que finalement, il y a une sorte d'ordre qui se fait tout seul et qui dépend un peu des acteurs avec l'offre et la demande et la loi du marché. Sur ça, le mot néoclassique vient du fait que, là on revient en France, à la fin du 19e, Léon Valras va théoriser de manière mathématique cette fameuse main invisible et du coup va lui donner une puissance de frappe idéologique très forte. Parce qu'en écrivant tout sous forme d'équation, il va pouvoir imposer l'idée que finalement cet ordre public, avec des êtres rationnels parfaitement informés dans une concurrence parfaite, eh bien, renvoie à une idée mathématique et donc indépendante des citoyens, de leur volonté et surtout du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'à l'origine même du libéralisme, il y a le fait que la politique économique n'appartient plus aux citoyens. Et nous en sommes toujours là en 2016, quand vous entendez sur BFM TV, sur iTélé, vous raconter que de toute manière, les programmes politiques, c'est surtout de laisser l'économie aux entreprises et que le politique ne doit pas se mêler d'économie. C'est là la filiation, on va dire, historique. Ensuite, je vous avais dit, le troisième, c'est capitaliste. Capitaliste, ça renvoie à deux choses. C'est d'abord la recherche de profit pour, donc c'est la deuxième, pouvoir accumuler du capital. C'est-à-dire que la notion de croissance est intrinsèquement lié à la, ou en tout cas définit le système capitaliste. Et là, je voudrais détailler deux petits points. Donc, tout d'abord, vous rappelez, et je rebondissais par rapport à ce que tu avais dit avant moi, il n'y a pas de croissance immatérielle ou de croissance mentale, ou comme vous voulez l'appeler, d'un point de vue économique. Toute croissance est fondée sur l'énergie. N'imaginez pas que le mot dématérialisation, quand on parle d'Internet, c'est autre chose qu'un pur rêve ou fantasme. Tout ce qui concerne envoyer un mail, et j'en arrêterai là, consomme autant que des ampoules allumées pendant 24 heures pour envoyer un mail à une personne. Donc voilà, la dématérialisation de la croissance est une chimère qui me semble que nous, écologistes, nous devons combattre, et je pense que Yves Cochet développera ça beaucoup mieux que moi. Sur la croissance qui définit le capitalisme, la définition même de cette accumulation de capital, qui
qui est un rouleau compresseur, qui ne s'arrête face à rien. Ça veut dire que nous n'avons pas la possibilité, durablement, d'avoir un capitalisme encadré. C'est-à-dire qu'un capitalisme qui serait, par exemple, comme celui qu'on a vécu dans les années 30 aux États-Unis, où il y avait un salaire maximum, je ne sais pas si vous êtes peut-être nombreux à savoir que pendant un demi-siècle aux États-Unis, il y a eu un salaire maximum qui était d'environ, en euros d'aujourd'hui, de 2 millions d'euros. C'est-à-dire qu'à partir de 2 millions, on rendait tout à l'État. Donc ça laissait quand même une marge. Mais ça veut dire aussi que ça a existé pendant un demi-siècle et que ce n'est pas du tout une lubie d'écologistes atterrés de ce début du XXIe siècle. Donc sur cette croissance, je vais vous livrer une analyse que je précise et personnelle. Donc ça, vous la retrouverez pas dans d'autres ouvrages, contrairement à tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, mais que je livre au débat public, c'est de dire qu'en fait, la recherche de la croissance a suivi trois étapes, trois phases. Nous avons, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu les 30 Glorieuses, qui ont été une phase de croissance fondée à plus de 65% sur la consommation, mais débridée, totalement dépendant du pétrole, d'un pétrole qui était facile d'accès et qui s'est fondé sur l'extractivisme et le productivisme pur et dur pour produire des biens matériels. Ça a été les 30 Glorieuses et ça s'est essoufflé parce qu'à la fin des années 60, on a commencé à sentir le mur des ressources. Et donc ce n'est pas par hasard si on a initié la deuxième phase, parce que le monde, et notamment aux États-Unis, on commençait à anticiper qu'il y avait cet essoufflement de la croissance. Et donc, ils ont pris une décision fondamentale en 1971, c'est-à-dire c'est d'arrêter les talons hors et de dire que tout d'un coup, eh bien, l'argent n'avait plus de réalité physique. C'est-à-dire qu'on était dans le monde de l'open bar et que ça pouvait monter et donc s'enrichir de manière infinie. C'est-à-dire qu'ils ont inventé la possibilité de pouvoir imaginer l'infini à travers la monnaie qui n'avait plus aucun lien avec aucune contrainte physique. Ils ont fait ça en début des années 70 parce qu'effectivement, il y avait plein de raisons qui s'expliquent par l'inflation, etc. Je vous ai dit, c'est une analyse que je vous livre parce que je sais que parmi vous, il y a certainement des économistes qui peuvent aussi apporter d'autres explications. Mais à partir de ce moment-là, il faut reconnaître que ça a changé fondamentalement le rapport à la croissance parce qu'on a pu financiariser. Deuxième décision fondamentale, on interdit aux États de pouvoir battre monnaie. C'est-à-dire qu'ils doivent, ils ne peuvent plus créer de la monnaie, ils sont obligés d'aller se servir auprès des banquiers privés et donc de payer des intérêts. Et donc à partir de là, la croissance pendant je vais appeler ça les 30 qui suivent, hein, donc il y avait les 30 Glorieuses, et puis après les années 70, 80, 90, ça va être en fait une époque où la croissance va être vraiment portée par la financiarisation et qui va aller jusqu'à la crise de 2008. Et la financiarisation, c'est-à-dire que c'est une croissance portée par les établissements financiers et par les établissements de crédit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va être dans une surenchère de crédit, et donc chercher à chaque fois à avoir des taux d'intérêt les plus intéressants. Ce qui va se passer, c'est que ça va aboutir à la crise de 2008, qui est un peu l'équivalent pour la première phase de la crise de 73 avec la crise du pétrole. Et à la crise de 2008, cette grande crise financière, eh bien, dans laquelle on continue à subir la queue de comète aujourd'hui, eh bien, à partir de cette crise mondiale financière, on a aussi l'essoufflement de la deuxième phase. C'est-à-dire que même la financiarisation de l'économie commence à s'essouffler, à s'essouffler, à s'essouffler, à s'essouffler. Et là, vous avez vu que les taux sont très très bas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisants pour assurer le niveau de croissance, sauf dans les marchés dérivés, hein, où on peut encore trouver de la croissance à deux chiffres totalement artificielle. Mais on commence à avoir cet essoufflement. Nous sommes en ce moment dans un basculement pour passer de la deuxième à la troisième phase,
La troisième phase est emportée notamment par le traité transatlantique et par la financiarisation de la nature. C'est-à-dire pour aller encore chercher des gisements de croissance, puisque la partie vraiment sur les ressources, elle s'essouffle totalement, la consommation est saturée. La partie financière s'est essoufflée aussi, et donc on va aller chercher des nouveaux marchés. Une fois qu'on a rappelé tout ça, et j'espère que les notions ont été claires, vous voyez aussi qu'il n'est pas compatible avec l'écologie, qui s'inscrit forcément dans un contexte qui est fini. Une fois qu'on a posé ça, on va se demander, mais maintenant, comment fait-on quand on parle de post-croissance ? Vous avez vu tout ce qu'on a posé, tout ce qui est aujourd'hui posé comme quelque chose d'intangible. Quand on parle de post-croissance, ça a des conséquences presque inimaginables pour nous. Est-ce que vous imaginez une société où il n'y a pas d'intérêt ? Parce que, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? L'intérêt, je le fais très brièvement, mais je veux bien le partager avec vous. Quand vous achetez, quand une entreprise investit, donc sans dette, pour acheter une machine, sur son bilan, elle aura en partie active la machine, dans le passif, elle aura la dette, qui est le capital dû. Les intérêts, c'est une charge dans le compte de résultat. Et en face des intérêts, il faut une ressource, en face de la charge. Et bien, cette ressource, c'est une augmentation du chiffre d'affaires. On ne peut pas payer des intérêts sans augmenter le chiffre d'affaires. Au niveau microéconomique, l'augmentation du chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est l'équivalent de la croissance, après au niveau du PIB, au niveau macroéconomique. Le niveau macroéconomique étant un agrégat de toutes les augmentations, entre autres, de salaire et de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que ça, par exemple, une conséquence très concrète, que peut-être, quand on emploie le mot post-croissance, on n'imagine pas tout de suite. S'il n'y a plus d'intérêt, ça veut dire que vous n'allez plus avoir tout le commerce, toute l'activité bancaire ne sera plus du tout la même. Vous n'avez plus de marché financier, vous n'avez plus de bourse. C'est-à-dire que les finances aujourd'hui qui dictent complètement la vie économique et donc politique et donc sociale de notre société vont tomber d'un coup, puisqu'elles ne sont fondées que sur le pari à l'avenir, sur une augmentation de la valeur. Augmentation de la valeur qui est liée à la croissance. Donc je continue à défiler la pelote. Quand on parle de encore une fois de post-croissance, ça veut dire aussi que derrière nous, pardon. Ah bon. Bah écoutez, je vais décroître mon temps d'intervention et je vais la passer pour Yves Cochet. Alors, bonjour Serge Ami. Justement, comme on ne peut pas faire de projection, j'ai simplement des feuilles où vous voyez à peu près ce dont il s'agit. Ici, c'est le soleil qui est la source de tout. Et comme vient de le dire justement Christelle, les prix n'existent pas dans la nature. Un micro ou pas ? Oui. D'accord. Les prix n'existent pas dans la nature. Autrement, vous sortez, et même ici, là, combien vaut un arbre ? Combien vaut le vol d'un oiseau ? Combien vaut le soleil ? Ça n'a aucun sens. Or, c'est exactement vers cela qu'on va, je le dirai un peu plus en détail tout à l'heure. Donc partons du soleil, et essayons d'imaginer une économie, alors non pas écologique, mais une économie que j'appelle biophysique, et qui est celle, à mon avis, la plus adaptée au monde de la décroissance, aussi bien la décroissance matérielle, la décroissance de l'empreinte écologique, notamment des pays du Nord, disons du 1,5 milliard d'habitants les plus privilégiés, que la décroissance en tant que projet de société, de, comme dirait notre ami Pierre Rabhi, de société de sobriété heureuse. Dans l'hypothèse néoclassique capitaliste que vient de présenter
notre amie Christelle, c'est en principe une économie de la rareté, mais une économie de la rareté relative. Il n'y a pas de rareté absolue. Lorsque une ressource, qu'elle soit humaine ou matérielle, vient à manquer, il y a ce théorème, on pourrait dire, de substitution. Il y a toujours autre chose, notamment par acquis l'innovation, pour se substituer à la ressource qui vient de manquer. Je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, dans cette économie, pour le moment, néo-capitaliste, néo-classique, capitaliste, il y a de la déplétion et de la pollution. Je dirais même que ce qui caractérise le monde moderne en tant qu'écologiste et qui caractérise la fin, on pourrait dire inéluctable, de l'économie néo-classique, capitaliste, productiviste, néolibérale, c'est trois points que j'ai montrés dans l'atelier précédent avec la fin de la croissance vraiment tendancielle depuis 65 ans. C'est pas un truc conjoncturel, c'est du structurel. Premièrement, dans cette économie, à la Walras, mais à qui vous voulez, à la Marshall, à la Marx et à la Adam Smith, la nature n'était pas prise en compte. Or, ce qui caractérise le monde moderne, c'est un très grand surplus, notamment d'énergie fossile. Et ceci va diminuer jusqu'à disparaître, et on aura une pénurie, pas une pénurie relative, comme si les énergies fossiles pourraient être remplacées par autre chose. Non, elles ne pourront pas être remplacées. Tu as bien insisté, Christelle, sur le pétrole, c'est irremplaçable. Bon, on parlera, si vous voulez, à la fin de la voiture électrique, avec un peu plus de détails que j'en ai fait à l'atelier précédent. Donc, première chose, les surplus, sur lesquels, avec ce surplus, on peut payer les intérêts de la dette, comme l'a bien expliqué Christelle. On fait les dettes, donc c'est la financiarisation. Non pas qu'on a beaucoup produit plus, mais on a emprunté plus, et cet emprunt, il faut le rembourser. Alors, c'est de la création monétaire pure, hein. On n'a pas emprunté sur une valeur de l'or ou sur quoi que ce soit, on a emprunté simplement pour emprunter. Une création purement imaginaire entre les humains. Eh bien, quand même, au départ, c'était sur un surplus donné par la nature, car la nature a une prodigalité immense. Mais maintenant, elle s'épuise. Deuxièmement, sur la production de masse. Hein, c'est toute l'histoire du Fordisme et du Taylorisme. Et troisièmement, sur une population, évidemment, importante et en croissance. C'est ça les trois apories aussi du monde moderne, c'est que le surplus va disparaître. La production de masse, à cause justement de la pénurie absolue de certaines matières premières, va disparaître, et que la population elle-même, on en reparlera aussi si vous voulez dans la question, car c'est un petit peu tremblant d'en parler comme ça tout de suite, ça pourrait choquer les gens, eh bien, a des chances de décroître, pour des raisons, non pas de volonté, mais des raisons, encore une fois, de subsistance. Alors, au contraire, l'économie que j'appelle biophysique se concentre sur à la fois la qualité et la quantité des flux de matière et d'énergie. Donc on ne parle pas d'argent, que l'argent n'existe pas dans la nature. Elle regarde les grands cycles géobiophysiques et elle regarde la qualité de ces cycles et leur bon fonctionnement. Et comme je le disais, dans le mot anthropocène qu'on a vu à l'atelier précédent, eh bien dans le mot anthropocène, il y a le fait que l'humain, en tant qu'acteur de l'écosphère mondiale, est maintenant sans doute le plus grand accélérateur de la destruction, en fait, des écosystèmes naturels. Et que ça, c'est un phénomène tout à fait récent, disons, depuis une cinquantaine d'années. Donc, l'économie biophysique se concentre sur les flux et la qualité des flux de matière et d'énergie, plutôt que sur les comportements individuels que les économistes néoclassiques, capitalistes, libéraux, appellent les préférences des consommateurs. Enfin, évidemment, l'économie et la société sont parfaitement liées au point de vue biophysique et au point de vue social. Il n'y a pas de différence dans cette économie biophysique entre le monde humain et le monde naturel. Alors pour ça, je n'ai pas le temps bien sûr, donc je vais faire des listes à la Prévert. Le vocabulaire même de l'économie, je vais le préciser sur certains points, doit changer. Donc je fais d'abord une petite liste d'une douzaine ou d'une quinzaine de mots qui montrent, alors c'est jamais utilisé ni par Strauss-Kahn, ni par Hollande, hein, qui est un fiscaliste, hein, ni par Sarkozy, ni par qui vous voulez, ni même par, pardon, par Nicolas Stern, qui est soi-disant un économiste écologique. Hein. Vous connaissez Nicolas Stern, monsieur Pine. Eh bien, il y a le mot « input », « output », « système adaptatif complexe ». C'est ça l'économie et la société.
le mot de limite, des contradictions, le mot des rétroactions positives et négatives. Il n'y a pas du tout de rétroaction de feedback dans l'économie néoclassique, c'est que du linéaire. En gros, demain sera comme aujourd'hui, mais en mieux. Ceci est faux, même au point de vue historique. Enfin, on nage dans le plein rêve. Donc, rétroaction positive et négative, déplétion, pollution, qui n'existe pas dans le monde néoclassique, non-linéarité, transition de phase, bifurcation, catastrophe, contagion, effondrement, etc. Donc, vous voyez, ce genre de vocabulaire des systèmes dynamiques non-linéaires, mais qui s'applique à l'économie biophysique, qui est basée beaucoup aussi sur les lois bien connues de la thermodynamique, est un changement de paradigme à la fois de pensée et de pratique. Alors, pour montrer quand même quelques personnes qui ont contribué soit à l'économie classique, soit à l'économie biophysique, en voilà quatre. À gauche, vous avez les productivistes néoclassiques croissantistes, qui sont, alors, Paul Samuelson et François Hollande. Paul Samuelson, et quand même, c'est pas n'importe qui, hein. Pour ceux qui connaissent, qui ont suivi des cours d'économie, il y a même des gens qui pensent que ce fut le plus grand économiste que le monde ait jamais eu. Hein, prix Nobel, etc. Et les bouquins de Samuelson, c'est la base, hein, des cours d'économie, enfin. Et puis François Hollande, donc ils ont la croissance, la croissance, la croissance. Alors les deux autres, presque personne ne les connaît. À gauche des deux photos de droite, vous avez Nicolas Georgescu-Rugen, qui est un économiste d'origine roumaine, mais qui a enseigné aux États-Unis, presque inconnu. Et puis Charles Hall, que pratiquement personne non plus ne connaît, et qui, à la suite du rapport, on voit toujours les courbes là, du rapport du Club de Rome, hein, de l'équipe de Dalis Meadows et de Donella Meadows, car c'est elle qui a écrit le bouquin, Dalis était plutôt ingénieur, eh bien, ont essayé de modéliser, puisque c'est ça qu'on fait en économie, de modéliser la déplétion et la pollution. Et c'est pour ça qu'il y a à peu près maintenant une quarantaine d'années, un peu plus, ils ont sorti donc ce livre qui s'appelait « Les limites de la croissance ». On est dans un monde de limites, comme disait, alors c'est un vieux commun chez les écolos, mais il faut le redire, il n'y a pas de croissance continue, infinie, dans un monde fini. On n'a qu'un seul monde, c'est la Terre et les ressources limitées. Et jusqu'à présent, avec le jour du dépassement et puis ce qu'on appelle l'empreinte écologique, on a vécu sur un stock essentiellement non renouvelable, disons que à peu près 80% de ce qu'on consomme dans le monde, notamment dans les pays industrialisés et notamment les riches, 80% c'est du non renouvelable qui est extrait de la Terre. Ce qui n'est pas renouvelable, c'est en partie l'eau, c'est la même eau il y a 1 milliard d'années qui est sur la Terre et maintenant c'est la même eau qui est recyclée par le grand cycle de l'eau. Il y a également en partie le bois et puis les pierres qui sont de la surface, mais le bois est renouvelable, les pierres sont abondantes, donc c'est pas ça le problème, mais tout le reste, prenez dans cette salle par exemple ici, cette moquette, prenez ce micro, prenez cet ordinateur qu'il a, prenez ça, c'est tout extrait du sous-sol, 100%. Une voiture, vroom vroom, une automobile, il y en a quand même 40 millions en France, c'est 100% du non renouvelable extrait des entrailles de la Terre. Et alors on dit, oui, mais il y a l'économie circulaire, maintenant on peut recycler, etc. En partie, mais les grandes lois, notamment le deuxième principe de la thermo, vous dites que vous ne pourrez pas le faire ad aeternam infinitum. Vous pouvez le faire un peu, et encore, il faut voir métal par métal. Là aussi, je vous rapporte, enfin, je vous dis d'aller voir les livres de Philippe Biwix, hein, sur les métaux. Il y a des métaux qui sont abondants et qu'on peut recycler. Il y en a d'autres qui sont tout à fait précieux parce qu'on ne peut, ils sont ni abondants, ni recyclables à l'infini. Le nickel, par exemple. Alors, notre ami a parlé très justement aussi de ce qu'on peut appeler en anglais la commodification de la nature. Ça veut dire la marchandisation. En effet, pour obtenir d'autres marchés, on a maintenant inventé ce qu'on appelle parfois d'ailleurs la croissance verte, on va y revenir parce que là aussi il y a des mots magiques qui sont utilisés même dans le monde écolo et même à EELV. Donc il y a du débat, il y a du débat. Alors ceci a été fait par un immense rapport qui a eu lieu il y a à peu près une dizaine d'années, hein, ce qu'on appelle le rapport, le Millennium Ecosystem Assessment, je ne sais pas si vous le connaissez, ça a été fait en 2005, qui était un rapport, en gros, sur l'état de la planète, où ils ont inventé ce qui est maintenant totalement hégémonique à la fois dans l'esprit et dans l'économie, qui est les écosystèmes, toute la nature est au bénéfice des humains, point final.
Donc tout doit servir, tout a un intérêt, tout a un bénéfice pour nous. Alors la première chose qui a commencé par être faite, c'est de quantifier la nature. Puis ensuite, on a monétarisé la nature, et maintenant on va financiariser la nature. Il y a des bonds, comme on dit, des produits, y compris des produits dérivés, qui sont sur la nature. Maintenant, ce n'est pas sur les taux d'intérêt ou les taux de change entre telle et telle monnaie, c'est sur la nature elle-même. Alors, prenons quelques exemples. Hein. Dans ce Millennium Ecosystem Assessment, eh bien, on pense que la nature a trois types de fonctions, qui sont toutes des fonctions en direction de l'humain. D'abord, une fonction d'approvisionnement, la nourriture, l'eau potable, les combustibles, les métaux extraits, etc. Donc tout ça, il faut approvisionner l'économie productiviste. Deuxièmement, une fonction de régulation, régulation climatique, régulation des inondations, des maladies, de l'eau, etc. Et troisièmement, les services culturels, l'esthétique du paysage, l'éducation, le divertissement, hein, c'est l'écotourisme, enfin tout ça, c'est beau la nature. Bon. Et tout ça va servir à une composante du bien-être, tout est fait vers ce qui est marqué explicitement, liberté de choix et d'action pour l'individu de réussir ce qu'il souhaite être et faire. Donc là, on est en plein libéralisme idéologique. Ce que d'ailleurs Veblen, vous connaissez Veblen qui a écrit à peu près un siècle, la théorie des classes de loisirs, enfin en tout cas Jean Lafont connaît Veblen, hein, et bien Veblen a dit ce type d'économie, l'économie néoclassique, et maintenant donc commodification de la nature, c'est le triomphalisme de l'individu et de l'individualisme. C'est les globules hédonistes d'agrandissement de soi. Et c'est ça l'économie actuelle. C'est le self-improvement. Comment je peux jouir encore plus, moi, 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 mon nombril. La nature n'existe pas, elle est infinie. Et les autres, je m'en fous, surtout ceux du Sud, car tout ça a été fait, évidemment, par l'exploitation, le colonialisme, le néocolonialisme, la spoliation, l'extractivisme. Il faut voir, encore une fois, pour 1,5 milliard d'habitants dont nous faisons partie, on ne se rend pas compte à quel point les gens du Sud, depuis plusieurs siècles, en gros depuis Christophe Colomb, mais ont douillé, quoi. Bon, même, évidemment, il y a eu des génocides massifs des Indiens, hein, des Indiens aussi bien au Nord qu'au Sud. Il y a eu le commerce triangulaire qu'on connaît bien, d'ailleurs, à l'Orient et à Nantes, hein, ne croyez pas, c'est là-dessus. D'ailleurs, l'Orient s'appelle l'Orient, et c'est pas pour rien. Donc tout ça s'est fait sur une exploitation à la fois des êtres humains et de la nature qui est maintenant insoutenable. On ne peut pas le faire à la fois pour les raisons de moralité, mais aussi pour des raisons, on peut dire, matérielles. Quoi. La nature n'en peut plus. Alors, il faut distinguer ce que ne font pas justement les économistes et ce que fait l'économie biophysique, ce qu'on appelle les valeurs instrumentales qui sont les valeurs, justement, au bénéfice des humains. Et c'est un peu ça que je pourrais reprocher, peut-être, à l'économie de la fonctionnalité que tu as présentée, c'est que les exemples que tu as pris, bon, et j'ai vu les exemples aussi qui sont un peu sur les vidéos, là, que tu proposes, bon, il y a l'exemple de Michelin, tu dis, on a maintenant un pneu qui a un sens. Parce qu'on est en accord entre Michelin et transporteur routier. Moi, je me pose des questions sur les transports routiers, qui est un métier d'esclave quand on est conducteur, et sur le transport routier, qui est évidemment un des plus grands, disons, émetteurs de gaz à effet de serre, sur toutes les grandes autoroutes européennes, enfin, le transport routier, il faut au contraire dire non, il faut relocaliser l'économie et dire non au transport routier, quoi. Alors, il ne faut pas échanger des tomates entre Almeria, qu'on a vu ce matin, qui est au sud de l'Espagne, et puis les pays scandinaves. C'est ce qui se fait. Non. Donc, non, c'est pas, il n'y a pas un sens à donner au transport routier ou à Michelin. Pas plus, si vous voulez. Alors, un exemple que j'ai vu sur une des vidéos, le type présente, pour l'économie de la fonctionnalité, un call center. Un call center, vous avez des femmes exploitées et sous-payées, stressées. Un call center, ce n'est pas un exemple de donner un sens à sa vie par le travail. Enfin, je ne pense pas, quoi. Or, c'est dans la vidéo, hein. Si, eh ben si, le type le présente. Enfin, regardez les vidéos que propose Sébastien, là. Alors, bon, donc, moi, on me frappe à dire que sous prétexte de fonctionnalité et de coopération, par exemple, eh ben, le nucléaire peut être partageable et une centrale nucléaire autogérée par un soviet de base, c'est bien, parce que c'est fonctionnel, c'est coopératif. Non. Le sens, c'est aussi la valeur des choses qu'on fait. Le sens, il est donné dans la beauté, dans les choses qui sont pour l'épanouissement collectif et individuel. Et le nucléaire, comme les transporteurs routiers, comme les call centers, eh bien, c'est des trucs qui sont inutiles, qui sont des projets
qui sont liés évidemment au productivisme actuel, mais qui ne donnent pas un sens à la vie, car ils ne sont pas liés. Justement, l'épanouissement, en ce moment, il est en dehors de l'économie en général, d'ailleurs. Et bien évidemment, c'est l'épanouissement, c'est ça qui doit... Et c'est ce qu'on regarde dans l'économie biophilique, notamment Georges Kuregen ou Charles Hall, on regarde le sens de la vie, comme disait Monty Python, hein, vous connaissez le film, c'est pas mal, c'est la musique, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est l'engagement collectif, c'est l'engagement associatif, c'est l'engagement politique, c'est l'engagement syndical, c'est le fait d'être dépassé soi-même par une cause transcendante. Si vous n'avez pas de cause transcendante à votre vie, eh ben vous êtes une larve. C'est ce qu'on a très bien vu d'ailleurs, les gens qui ont écrit sur les camps, hein, je pense à Primo Levi ou à d'autres, c'est que si vous êtes dans la pure fonctionnalité, on peut dire d'une certaine manière que l'efficacité économique de Saddam Hussein ou des nazis ou de Bachar el-Assad est très forte pour peu les gens. C'est très efficace. Mais ça n'a aucun sens du point de vue humain. Il doit donc y avoir ce qu'on peut appeler une valeur intrinsèque et non pas relative à notre vie, à notre travail et à l'utilisation de la nature. La nature, elle est belle pour elle-même. Et donc, il y a des valeurs qui ne sont pas des valeurs économiques, qui sont incommensurables à l'économie. L'économie ne doit pas être hégémonique, ne doit pas être triomphaliste, elle doit être une petite partie utilitaire de notre vie, mais certainement pas, évidemment, l'hégémonie qu'on a actuellement. Alors, je vais terminer, bon, ça, je ne parle pas de l'héroïne. L'héroïne, on peut dire le retour énergétique sur l'investissement énergétique. C'est l'instrument de politique énergétique le plus adapté à une politique à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans. Hein, c'est ça. Bon, c'est un peu, c'est un diagramme de Sankey, etc. C'est très intéressant. Bon, mais ce, par exemple, cet héroïsme, on peut appeler le retour énergétique sur l'investissement énergétique, qui n'a rien à voir, encore une fois, avec le retour sur l'investissement financier. C'est très, très différent. On parle que de joules, ou de kilowattheures, hein, ou de calories, et non pas d'argent. L'argent, éventuellement, on en parle à la fin, mais on n'en parle pas du tout au début. Eh bien, cet ROI n'existe pas dans la loi de transition énergétique dont j'ai parlé il y a une heure, là. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. J'ai même interrogé, c'était à l'époque, hein, en 2013-2014. Oui, d'accord, on termine. Alors, je termine par des propositions positives de l'économie biophysique. Je termine les ROI, la proposition positive, les références... Bon, eh bien, je vais faire les mêmes propositions peut-être positives que dans l'atelier précédent pour ceux qui n'avaient pas bien suivi. Je lis simplement la liste, hein, puis après, pareil. Alors, tout ça, je vous le dis entre parenthèses entre nous, aussi bien dans l'atelier précédent que dans l'atelier actuel, c'est la version soft de ma pensée globale. C'est pas du tout vraiment l'avenir tel que je le vois. Hein. Non, mais je vous montrerai des livres qui, au contraire, sont... Alors, c'est pas une histoire de pessimisme ou d'optimisme. Moi, je suis complètement froid, rationnel, calculateur. Non, c'est pas cette question-là. C'est une question de regarder la réalité en face. Soit on fait la politique de l'autruche, soit on regarde. Alors, pour des politiques biorégionales de décroissance, c'est la proposition de l'économie biophysique. Premièrement, tendre vers l'autonomie énergétique et alimentaire locale. C'est pas la PAC, hein. Ni les transports. Des transports de Almeria, des tomates pour alimenter la Bretagne. Deuxièmement, construire une agriculture civique de reterritorialisation avec des micro-fermes en permaculture, permaculture, David Holmgren et Bill Mollison, vous connaissez. Troisièmement, allocation démocratique de l'énergie. C'est très radical, puisque c'est un quota individuel à chacun. Ce qu'on appelle une politique de rationnement. Et c'est le plus démocratique et le plus social. Car quand vous n'avez plus de surplus, ceux qui peuvent s'en payer encore, c'est les riches. Et oui. Donc, dans une politique de pollution, quand on voit un avenir de pénurie, il faut qu'il y ait une égalité de partage. Le partage avec tous, y compris avec nos sœurs chinoises et le Kinabé. Partager entre tous. Hein. Quatrièmement, mettre en place un revenu de base. Tout le monde en parle. Promouvoir la coévolution avec le milieu ambiant. Alors, c'est typiquement l'économie biophysique. Valoriser les biens communaux patrimoniaux, c'est les commons. Et enfin, sixièmement, septièmement, huitièmement, créer un mouvement culturel de réappropriation des outils et des savoirs, notamment locaux, puisque autant de solutions que de locales. Penser et agir low-tech, donc pas de high-tech, c'est la catastrophe, la high-tech,
C'est très extractiviste et très élitiste. Et puis, est-ce que je parle du biogaz et des chevaux ou pas? Oui. Alors, les transports de demain, ça ne sera pas la voiture électrique, ça ne sera pas les voitures thermiques, comme actuellement avec du pétrole. Hein. Ça sera, il faut développer, c'est une urgence politique absolue, la politique de naissance de chevaux. Les haras nationaux doivent être en 2035, c'est le cheval qui sera le principal mode de transport. Ne croyez pas autre chose. Évidemment, c'est un peu renversant. Mais réfléchissez sur les chiffres, regardez bien les rapports du GIEC, tout ce que vous voulez, c'est ça. Et enfin, l'énergie de base en 2035 ne sera pas évidemment les énergies fossiles, ni l'électricité nucléaire, ça sera le biogaz local. Le biogaz local, c'est notre merde, mais c'est aussi notre avenir. Merci. Bien. Avant de passer aux questions de modération, est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant les interventions que vous venez d'entendre? Oui, bonjour. Moi, je me pose une question dans cette notion de décroissance, notamment en ce qui concerne l'aspect financier, l'aspect capital. Alors, effectivement, la fin de la croissance, le passage à une politique de décroissance, c'est la fin des rendements positifs, quoi. C'est la fin de l'augmentation du capital. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer passer de cette société capitaliste à une société post-croissance, alors qu'aujourd'hui, ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui ont le plus à y perdre, justement, ce sont les capitalistes. Quelles propositions peut-on faire pour évoluer vers ce genre de société? Quelle conduite politique peut-on avoir pour aller vers cette société souhaitable? Bonjour, j'aimerais qu'Yves me donne son avis un peu plus précisément sur la voiture électrique. Ah, merci. On aura 10 minutes, hein, pas plus, alors que ça va être. Oui, bonjour. Quand vous parlez de financiarisation de la nature, je voulais savoir si vous alliez au-delà des options et des futurs, typiquement la bourse de Chicago. Est-ce que c'est juste ça ou est-ce que c'est encore un cran au-dessus? Ce qui m'intéresse, c'est les solutions. Je suis tout à fait d'accord avec ce diagnostic. Je suis peut-être encore pire pessimiste que toi. Je voulais juste que tu reviennes un peu plus lentement sur les différentes propositions que tu as faites, parce que tu es allé super vite. Plus lentement sur les différentes propositions que tu as faites, parce que tu es allé super vite. Et j'ai pas le temps de te noter. Alors que le diagnostic, tu es passé longtemps, les solutions, ça a été à toute vitesse. Merci. Moi j'ai une question, on voit beaucoup de gens qui s'engagent dans les mouvements autour de la permaculture, des colibris, des communautés, des oasis. Il y a beaucoup d'écolos qui sont engagés dans ces recherches-là, les mouvements Ville en Transition, voire qu'ils expérimentent en ville. Donc on voit bien une forme d'espoir. Mais en même temps, quel est votre point de vue? Parce que ça peut être aussi très égoïste quelque part, se sauver des petits îlots de gens autonomes énergétiquement alimentaires. Et puis tout autour, l'effondrement, et comment vous posez la question des grandes mégalopoles urbaines qui sont aujourd'hui le lieu où se concentrent toutes les populations dans le monde, et particulièrement fragiles et très peu robustes sur toutes les questions changement climatique, alimentation, etc. Je vais prendre une dernière question, parce que là, ça va être vraiment débordé. Oui, bonjour. Bernard Maris disait que les économistes sont des gens qui vous expliquent doctement et scientifiquement comment ils s'étaient trompés la veille. Est-ce qu'on peut encore parler d'économie et sur quelle base? Yeah.
Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais c'est pour avoir les armes pour répondre à ce genre d'argument. Tout à l'heure, vous disiez que le marché dysfonctionne puisqu'il ne donne pas effectivement un prix aux externalités négatives, sociales et environnementales. Et après, on dit que on est en train de commencer à donner un prix à la nature. Alors, évidemment, on est tous d'accord ici pour dire que ce n'est pas la bonne approche, mais néanmoins, on peut nous rétorquer que finalement, c'est une façon quand même de corriger le marché, de faire mieux fonctionner le marché en donnant un prix à ceux qui étaient hors du prix. Alors, voilà. Et donc, la question, c'est quoi les limites de ce raisonnement ? Merci. S'il vous plaît. Juste, je voudrais compléter la question qui vient d'être posée là précédemment. Oui, Yves, tu avais dit, enfin, j'assistais à des journées des précédentes, tu avais prédit, donc, tu as fait un livre Apocalypse, Pétrole Apocalypse, donc tu avais prédit que le prix du pétrole allait augmenter dans des proportions considérables. Or, on a appris donc, depuis 2 ans, tout d'un coup, le pétrole qui était monté à $150 le baril, il s'est effondré à moins de 50. Comment on peut l'expliquer, ça? Comment tu l'expliques? Alors, je commence et je m'excuse d'avance s'il y a des questions que j'ai oubliées. Je commence par la première que vous avez posée, comment faire le changement. Écoutez, moi je pense que le changement de manière massive n'aura pas lieu avec ceux qui détiennent aujourd'hui le monde économique mondial. J'essaye, peut-être vous allez trouver des petites... j'essaye de faire un réseau en fait de cadres ou d'anciens cadres de grandes banques et de grandes entreprises qui ont décidé de passer de l'autre côté du miroir. Personnellement j'en fais partie, j'ai été cadre dirigeant dans l'industrie automobile. Et donc j'ai tout quitté, j'ai totalement changé d'orientation. Donc je sais aussi pourquoi j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mais ça reste très exceptionnel. Je pense que pour pouvoir faire ce changement, il faut déjà se prendre en main et faire toutes les villes et villages en transition. Donc ça c'est une chose. Et puis je prends une idée qui est celle de Christophe, ça va me revenir, celui qui a écrit justement le prix de la nature qui est dans la commission environnement d'attaque, Christophe Bonneuil. Christophe Bonneuil propose de pénaliser l'extraction du pétrole, de la rendre sur le plan moral un criminel. Je vous réponds par rapport à ce changement. Concernant le prix de la nature, donc je vais répondre à vos deux questions en même temps. Sur la financiarisation de la nature, ça va dans le plus loin que de tous les produits financiers que l'on connaît en termes de CDS. Notamment, je rappelle que le CDS est un produit financier dérivé qui permet de s'assurer pour un risque qu'on ne porte pas autant de fois que l'on veut. C'est-à-dire que je vais m'assurer, par exemple, sur ce verre qui ne m'appartient pas, et s'il explose et que je me suis assurée 50 fois, je toucherai 50 fois la valeur du verre. Donc il faut ça avec les mouches, il faut ça avec les arbres, il faut ça avec toutes les espèces végétales, et s'enrichissent quand les espèces végétales sont en extinction. Donc c'est ça le monde qui est aujourd'hui en vigueur depuis 20 ans aux États-Unis, et qui, avec la loi biodiversité qui est arrivée dans notre pays, qui a été votée à l'Assemblée nationale au mois de juin, ils ont instauré, et là je répondis exactement par rapport à votre question, ils ont instauré ni plus ni moins que le droit à détruire. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a une perversité au carré dans cette loi. Parce qu'en fait, elle dit que c'est pour protéger la nature, alors qu'elle vient d'institutionnaliser la légalisation totale de la destruction de la nature. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Elle dit que si vous détruisez, vous devez compenser. Le problème, c'est que comme on vient d'en parler avec Yves, l'argent n'a pas de valeur. L'argent est inventé. L'argent est une vue de l'esprit. Il n'a aucune réalité matérielle. C'est-à-dire que quand vous compensez financièrement la destruction de quelque chose de réel dans la nature, qui a eu besoin peut-être d'un million d'années pour exister, pour se former, et que vous le compensez avec une somme d'argent qui est inventée, et vous trouverez toujours quelqu'un sur Terre d'assez abruti pour avoir la richesse nécessaire pour pouvoir compenser, le donner à un établissement financier qui ira ensuite
spéculer l'argent que vous aurez placé pour continuer à vous donner en plus légalement maintenant le droit de pouvoir détruire cet environnement et la nature. Oui, je vais répondre à quelques questions et puis un tout petit droit de réponse après l'enrichissement qu'effectivement Yves et puis Christelle a pu apporter à ma présentation. Elle était peut-être un peu maladroite, ma présentation, je vais y revenir. Sur le mouvement quartier en transition, choses comme ça, j'ai co-créé avec d'autres voisins un quartier, enfin une dynamique de quartier sur l'île centre. Donc on a un quartier plutôt CSP+, hein, faut bien le reconnaître. On est une population plutôt résiliente. Et l'objectif, c'est de développer du vivre ensemble, de développer des énergies renouvelables, mais aussi de développer un modèle de gouvernance de quartier qui pourra effectivement être disséminé à d'autres quartiers et à des quartiers qui, effectivement, où les populations sont moins résilientes ou ont moins de capacités financières ou autres. Mais effectivement, c'est pas, surtout pas pour faire de l'entre-soi qu'on a créé ce collectif de quartier. C'est aussi pour dire qu'on peut retrouver une gouvernance locale. Yves, prenez l'exemple d'un arbre qui n'a pas de prix ou pas de valeur. Quand cet arbre il est dans le quartier, il commence à avoir un peu plus de prix ou un peu plus de valeur. Donc, forcément, après, mais on le définit collectivement au sein d'un quartier. Donc, c'est surtout pas, effectivement, en tout cas, moi, la dynamique quartier en transition, elle n'est pas du tout pour faire de l'entre-soi, dans l'entre-soi, bien au contraire. Et on échange avec d'autres quartiers qui sont dans les mêmes dynamiques, quoi. Pour revenir à la plateforme téléphonique, effectivement, alors vous pouvez vous faire une opinion parce qu'effectivement, il y a donc c'est le dirigeant d'entreprise, cette entreprise s'appelle Mohamed El Manani. Mohamed El Manani, vous tapez ce nom-là, vous aurez quelques vidéos. Il était pris dans un engrenage, c'est-à-dire, effectivement, il était pris dans une dynamique de low cost, d'intensification du travail et de non-sens du travail, c'est-à-dire que soit il exportait sa plateforme téléphonique dans des pays à bas coût, et puis effectivement, il arrivait à répondre. Voilà. Il a choisi une dynamique très différente d'intégrer les externalités vécues, mais la fonctionnalité de la coopération, de commencer à travailler sur les déserts médicaux, sur le burn-out des médecins, parce que c'est une plateforme téléphonique qui remplit les agendas des médecins. Et bref, il a réussi à rebondir. Et quand vous voyez témoigner, pour moi, ses collaborateurs, elles sont plutôt sur une dynamique de santé, de sens du travail, et plutôt épanouies. Mais bon, moi, je le dis comme ça, la vidéo. J'ai été un peu maladroit, j'ai pas assez précisé qu'effectivement j'intervenais sur trois modèles. Le modèle classique où on vend le plus possible en volume, celui-là il a oublié, très centralisé, modèle automobile, modèle énergétique, très centralisé, de plus en plus centralisé, où effectivement on n'a plus aucune mainmise sur cette gouvernance. Voilà. Et le modèle Michelin est un modèle intermédiaire, un modèle frontière. Ce que je vous invite, une des solutions effectivement, c'est qu'on ne vous donne pas assez peut-être des pistes de solutions, c'est que ce troisième modèle qui intègre la question territoriale, la question de la gouvernance, et vous et nous comme rentrant dans la gouvernance de ces entreprises, vous avez par exemple Enercop qui est une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, vous avez plein de SIC, donc ce que je vous invite à faire, c'est de regarder effectivement le statut de l'entreprise, idéalement OSS, mais pas forcément que, mais voilà, qui va permettre, par exemple, à Enercop, au départ, ils ont créé une SIC, et puis quand ça a commencé à grossir, ils ont créé plusieurs SIC sur différents territoires. Attention avec Enercop, attention. Ils se sont décentralisés. Je travaille pour eux, je suis délégué du personnel, je fais très attention. D'accord. Bon, alors moi je les accompagne en Nord-Pas-de-Calais, peut-être qu'on n'a pas les... Je vis, mais bon. Mais en tout cas, sur ce modèle-là, il est intéressant, c'est qu'effectivement, au moins, il se décentralise. C'est-à-dire qu'on a une tendance à avoir un modèle qui centralisait et qui donnait plus d'accès à la gouvernance. Là, il reste effectivement ouvert à ce que les sociétaires rentrent dans leur gouvernance d'entreprise. Voilà. Bon, alors, Jean me propose de répondre d'abord sur les fluctuations du prix du baril, le pétrole. Oui, il y a eu une hausse tendancielle, disons, depuis les années 2000, au début des années 2000, jusqu'en 2008, année à la fois de la crise financière et des Jeux Olympiques de Pékin. Et en même temps, du pic, en effet, à $147 le baril, du prix sur le marché de New York. Et après, ça s'est quand même maintenu au-dessus de $100, mais depuis 2 ans, c'est à moins de $50. Pourquoi ? Eh bien, il y a deux raisons essentielles. Et d'abord, une raison, on peut dire, économique, c'est que, comme je l'ai montré sur plusieurs graphiques, même si tout le monde ne les a pas vus dans l'atelier précédent, là, la croissance ne cesse de baisser. Et donc, quand vous avez une contraction économique
mondiale, européenne, que sais-je, vous avez moins de consommation, notamment d'énergie, notamment de pétrole, simplement parce que les gens en consomment moins, parce que la croissance, enfin la croissance du PIB, est beaucoup plus faible, voire même quelquefois négative, comme disait la ministre de l'économie, comment elle s'appelle déjà, Christine Lagarde, hein, à un moment quand elle était au gouvernement, elle disait, oui, on est rentré en 2008-2009, à croissance négative. Vous ne voulez pas dire décroissance ou dépression, hein, parce que ça la fout mal. Bon, donc il y a la première raison qui pourrait nous dire, ah ben c'est bien quand même, d'abord pour les consommateurs, parce qu'on paye le prix du litre quand même moins cher, quoi. Bon, c'est entre 1,10, 1,20, 1,40, enfin, ça dépend si du 98, du diesel, machin, donc c'est pas trop. Donc c'est bien pour le consommateur, ça va relancer. Non, c'est que pour les raisons structurelles que j'ai dites, la croissance est en train de s'épuiser, en France, dans l'OCDE, dans le monde, partout, et que donc il y aura, comme il y a une corrélation et non pas un découplage entre la consommation d'énergie et le PIB, évidemment vous aurez moins de consommation d'énergie, notamment la plus grande d'entre elles, hein, qui est à peu près 40% de l'énergie du monde, c'est du pétrole, hein. 84% de l'énergie du monde, c'est des fossiles. Vous ne croyez pas que les renouvelables, c'est 1% de l'énergie du monde. 1% des renouvelables. Si je ne compte pas le grand hydraulique. Grand hydraulique, 8%. Nucléaire, 6%. 1% les autres renouvelables, celles qu'on aime. Et le reste, c'est du fossile. Le monde marche sur les fossiles. Quand les fossiles déplètent, eh ben, y a une contraction. C'est comme ça. Et ils déplètent parce que, justement, l'extractivisme, l'extraction de charbon, de pétrole et de gaz est de plus en plus difficile. Pourquoi on va chercher du gaz maintenant dans les endroits polaires, en haute mer, Deepwater Horizon, que sais-je encore? Parce que dans les champs traditionnels, où il suffisait de gratter le sable et ça jaillissait, eh bien il y en a de moins en moins. C'est un produit qui est non renouvelable, absolument. Bon. Alors, c'est également pour des raisons politiques. Il se trouve que les pays du Golfe, et notamment l'Arabie Saoudite, est un peu plus indépendante des Américains et beaucoup indépendante de la Russie, et ils veulent tuer les concurrents. Dans la mesure où l'économie se contracte, il s'agit de conserver sa part de marché. Comment conserver sa part de marché quand on est presque, quand on est le meilleur, on appelle l'effet Lyon, comme pour Paris, dans le management du territoire? Eh bien, on baisse les prix. Les autres ont tellement peu de rentrées financières. La Russie, regardez la Russie et le Venezuela, des grands producteurs pétroliers. Grands producteurs pétroliers. Ils sont au bord de la banqueroute, de la faillite, parce que ça ne rentre plus, parce qu'à 35 dollars le baril, bah vous ne pouvez pas faire des programmes sociaux ou n'importe quoi d'autre. Et donc, l'Arabie Saoudite, un peu aidée par les Américains, mais pas totalement, voulait tuer financièrement, économiquement, la Russie ou les autres concurrents pour conserver ses parts de marché baissant, puisqu'encore une fois, l'économie se contracte, on est dans la décroissance. Donc, c'est des problèmes économiques et géostratégiques, géopolitiques. Tout à fait intéressant. Il y a d'ailleurs une lecture, j'allais dire, de ce qu'on voit actuellement, hein, depuis le Burkini jusqu'à l'islam fanatique et tout ce que vous voulez au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est instable depuis que les Français et les Anglais en ont dessiné la carte en 1918, en sachant que là, il y a du pétrole, là, il n'y a pas de pétrole. Donc c'est en dehors de toutes les populations, bien entendu. D'ailleurs, c'est des lignes droites. Regardez l'Irak, l'Iran, tout ça, c'est que des lignes droites. C'est des géographes français qui ont fait ça. Mais on peut relire toute l'histoire actuelle pendant un siècle uniquement à la lumière pétrolière. Parce que le pétrole du Moyen-Orient, c'est le meilleur, c'est le light sweet. Et il n'est pas cher du tout à extraire. Vous avez quoi, c'est peut-être 5 dollars le baril au pied du puits. Alors que vous allez dans les sables bitumineux de l'Alberta, là, à moins de 80 dollars le baril, vous extrayez rien du tout. Donc vous voyez, il y a une question géopolitique et une question économique. Mais ne vous inquiétez pas, il est probable que cette pénurie aille plus vite que la contraction, et que donc on voit, alors quand, je ne sais pas, je ne suis pas à Madame Soleil, mais que les prix du pétrole augmentent, parce que le pétrole, c'est indispensable dans notre vie. Sans pétrole, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. C'est pour ça d'ailleurs que l'économie, on dit, ben c'est ce que je disais à un moment, j'ai fait un débat avec Benoît Stou, on dit, ouais, mais le capitalisme, le néolibéralisme, tout ça, le productivisme dont tu parles, de toute façon, c'est la lutte des classes qui va tuer le capitalisme mondial. Et je lui dis, non, c'est la géologie. Il dit, quoi? Mais d'où veux-tu pas? Mais oui, c'est le pétrole. Et les autres matières premières, le néodyme, si vous voulez, le nickel, que sais-je encore? Bon, d'accord. Alors ça, c'était sur les prix du pétrole. Ça va remonter. Alors, les monnaies. Eh bien, il y a... Moi, je suis très en faveur, regardez les conditions, mais de ce qu'on appelle les monnaies locales fondantes, qui ne peuvent pas être thésaurisées,
et qu'on est obligé, en gros, disons, d'utiliser dans l'année qui vient, parce qu'elles perdent leur valeur au fur et à mesure que vous l'avez. Ça, c'est l'avenir de la monnaie. La monnaie, ça sert évidemment, équivalent universel. Mais les monnaies locales fondantes, non thésaurisables, mais c'est ça qui est formidable. Alors, pendant la transition avec l'euro, ben vous aurez l'euro pour les grands achats internationaux, voire les achats nationaux, et puis au fur et à mesure de la relocalisation, c'est le point numéro un que je vous ai dit, relocaliser les fournitures d'énergie et d'alimentation, c'est la base de tout, l'énergie et l'alimentation. Vous vivez pas, c'est ce que disait Churchill, hein. Entre la démocratie et la barbarie, il y a quatre repas. Quatre repas. Essayez de dire, on va fermer Rungis. Vous avez des émeutes, que dis-je, des émeutes, des révoltes totales, comme disait Louis XVI à l'époque, c'est quoi, c'est une émeute? Non, non, c'est une révolution, simplement parce que Rungis est fermé. Sinon, en deux jours, tous les Monoprix, les Auchan et les Carrefour sont pillés. Il faut bouffer. Et donc, l'alimentation et l'énergie relocalisées, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Donc, pas du tout les grands systèmes centralisés, avec les autoroutes de l'électricité, ou que sais-je encore, ou les pipelines, là, comme le Nord Stream, ou bien le Nabucco, etc. Il ne faut surtout pas faire ça. Encore une fois, pour l'énergie, le biogaz local. Donc, récolter la merde, les toilettes sèches, aussi bien des animaux que de nous, avec, on mélange ça, on fait des biodigesteurs locaux. Locaux, ça peut être évidemment pour 3000 habitants, pour 30 000, hein, c'est pas forcément chez soi, bien sûr. Alors, une dernière question, je vais pas répondre à tout. Hein. À la voiture électrique, alors, je termine sur la voiture électrique. Alors, je vous montre. Hein. Oui. Ah, bah, rapidement quand même, hein, parce que. Alors, d'abord, un premier graphique, là, bon, vous ne le voyez pas de loin, mais je vais vous le montrer quand même. Là, en haut, à gauche, à droite, là, en haut à gauche, vous avez les hydrocarbures liquides, essentiellement le pétrole. Bon, il y a du coal to liquid aussi, il y a du gas to liquid, mais ça coûte cher. Hein. Bon, les hydrocarbures liquides, ici, sur les abscisses, c'est, on peut dire, les kilowattheures par litre, et ici, c'est kilowattheure par kilo. Et ici, c'est toutes les énergies soi-disant alternatives pour l'énergie embarquée dans les véhicules. Et ici, vous avez l'électricité, là. Les batteries. Et quand on regarde, une batterie, encore une fois, c'est 40 fois plus de poids dans une voiture que la même quantité d'énergie en pétrole. Et donc, on dit, oui, mais au début du siècle, par exemple, il y avait des voitures électriques, mais c'est les pétroliers parce que c'est les méchants capitalistes, Exxon, Rockefeller, Total, etc. C'est pour ça qu'ils ont imposé le pétrole. Non, il y a des raisons, on peut dire, thermodynamiques à l'utilisation du pétrole. Le pétrole, encore une fois, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est un don du ciel. Et c'est pas par hasard qu'on utilise le pétrole pour les transports, parce que c'est le plus efficace et le plus intense, largement. Ici, vous avez l'électricité, là, vous avez l'hydrogène, et là, vous avez le gaz naturel comprimé, qui sont minables au point de vue thermodynamique. Donc, il y aura moins de pétrole, il y aura moins de transport, il y aura des chevaux. Alors, maintenant, si vous... et les vélos, et la marche à pied, etc. Est-ce que vous voulez encore d'autres chiffres sur la voiture électrique ou pas? Non, c'est fini. Bon, bah c'est bon, abandonnez la voiture électrique, et puis le vélo, la marche à pied, et les bourrins. Est-ce que tu as réussi à noter des... Ah d'accord, on va attendre des propositions pour les fêtes de la journée. Alors d'accord, je vais mettre en mode, ça va d'accord. Alors d'abord, juste pour vous dire, mais c'est pour rigoler, ça c'est pas rigolo du tout, ce que je vous ai présenté, moi dans mon propos, hein, chacun a son propos, aussi bien dans l'atelier de présence maintenant, c'est je vous dis la version light, soft, disons, de ce qui se dessine d'après moi, objectivement, comme disaient les marxistes il y a 50 ans. En réalité, on regarde, il y a d'autres livres maintenant, dont je vous montre ici quelques-uns d'entre eux, qui parlent non pas de transition, plus ou moins douce, plus ou moins à la fois émancipatrice et progressive, mais d'effondrement. Et je vous en cite deux. Le dernier livre de Paul Jorion, qui habite à côté, là, il habite à Vannes, Paul Jorion, vous le connaissez, sorte d'économiste, anthropologue, très intéressant. Alors, son dernier livre s'appelle « Le dernier qui s'en va éteint la lumière », et c'est sur l'extinction de l'humanité. Donc là, ça rigole plus, là. Le problème, c'est la survie de l'espèce. C'est pas « est-ce que je vais manger des fraises demain matin ?» Il faut hiérarchiser les problèmes, sinon on se trompe en politique. On met tout
Alors, il y a un petit peu, comme tous les ateliers ici, il y a beaucoup d'ateliers, chacun veut le lobby des ateliers. Hein. S'il n'y a pas de hiérarchie, vous ne faites pas de la politique. Vous faites du scoutisme, c'est autre chose. Et alors, vous avez le livre aussi de Naomi Oreskes, vous connaissez, c'est pas Naomi Klein, c'est pas mauvaise non plus, Naomi Oreskes, qui est prof d'histoire des sciences à Harvard University. C'est pas là. Et ça s'appelle L'effondrement de la civilisation occidentale. Donc c'est plus maintenant comment faire la transition avec les transitionneurs comme Rob Hopkins, ah ben, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on va faire des trucs comme ça, entre Isola de personnes privilégiées, ben oui, comme à Bristol, n'est-ce pas, oh, bien sûr. Et oui, c'est le problème des Isola. Il n'empêche que c'est la meilleure solution. La meilleure solution, c'est penser local, penser global, mais agir local, agir local, agir local, tous ensemble et tous ensemble. On va voter, ben je te les relis puisque tu fais voter. Parce que... Alors, il y en a 10. Non, bon, d'accord. Oui, ben vas-y. C'est trop tard. Ah non, bon. Alors, je vous les relis. Premièrement, proposition pour les politiques biorégionales de décroissance. C'est ça le cadre de Ronald. Premièrement, c'est presque hiérarchisé. Hein. Tendre vers l'autonomie énergétique et alimentaire locale. Deuxièmement, alors on les vote au fur et à mesure ? Bon, vas-y, qu'est-ce que ça dit ? Je viens de faire le vote, moi ? En même temps, bon, là. Alors, il y a la règle des deux tiers d'après tout le monde. Alors, est-ce que. Alors, bon. Alors, ne partez pas, on va travailler très vite. Donc, je relis. Tendre vers l'autonomie énergétique alimentaire locale, qui est pour ? Bon, beaucoup. C'est pour que ça soit mis au débat chez les Verts, hein, c'est tout. Qui est contre ? Bon, on a les deux tiers, c'est bon, donc on la retire. Deuxième proposition. Construire une agriculture civique. Civique, c'est-à-dire tout le monde s'y met, y compris urbaine. Civique de reterritorialisation avec des micro-fermes en permaculture. Qui est pour ? Oui, 2-3 hectares. Ok. Qui est contre ? Bah contre, vas-y. Il est pour les grands céréaliers, toi. Ah ouais, je te connais. On le retient. Troisièmement. Alors là, attention, c'est vraiment du hard. Hein. Je vais même le dire. Bon, normalement, ça s'appelle politique d'allocation démocratique de l'énergie. Mais ça veut dire rationnement, chacun son quota égalitaire. Riche comme pauvre. Vous arrivez à poste à essence, quand vous n'avez plus de quota, vous ne pouvez pas acheter d'essence avec votre fric. Quand vous avez votre 4x4 à 20 litres, non. Alors, qui est pour les rationnements démocratiques par allocation de l'énergie ? Bon, beaucoup, beaucoup. Qui est contre ? On est au bord de l'écofascisme. Il y a un qui est contre l'écofascisme. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Oui, oui. Donc, les verts, ça tombe mal, là. Alors, troisièmement, quatrièmement, qui est pour mettre en place un revenu de base, allocation universelle, revenu d'existant ? Voilà, c'est dans le programme officiel des Verts. Bon, on est pour. Alors là, c'est plus philosophique, mais c'est un petit peu ça, l'économie biophysique et la permaculture. Promouvoir la coévolution sur la longue durée avec le milieu ambiant. Promouvoir la coévolution. Disons que l'espèce humaine fait partie de la nature. De toute façon, on fait voter sur les truismes, tu vois, c'est facile, hein, c'est démago. Laisse tomber. Alors, qui est pour la réhabilitation des communs ? Par exemple, que l'atmosphère est un commun. Les océans sont un commun. Un peu comme l'Antarctique. Donc, qui est pour valoriser des biens communaux, puisque c'est tout est local, patrimoniaux. L'eau du Blavet d'à côté, là. Ah oui. Et l'eau des piscines. D'accord, on est pour. Okay. Bon, pas grand monde, on la retient. Alors, cinquièmement. Alors, réappropriation culturelle des outils et des savoirs locaux. Qui est pour ? Moitié peut-être. Qui est plutôt contre ou s'abstient ? Bon, on la retient quand même, mais pas quand même. Alors, qui est pour penser et agir low-tech ? Ah oui, moi. Alors là, il y a du monde, low-tech, hein. Low-tech, quoi. Low-tech, c'est traction animale et tout ça. Hein.
Bon, qui est contre? Qui préfère les éoliennes au néodyme aux aimants permanents? Vous déposez vos smartphones. Hein? Pour les smartphones, vous les déposez. C'est fini. Et enfin, alors, est-ce que je fais le coup des haras et des... Alors, qui est... alors là, c'est pour 2035, horizon 2035, qui est pour le biogaz, donc renouvelable, comme source d'énergie primaire de la France. Biogaz renouvelable. Donc, on recycle la merde. Bon, d'accord. Et enfin, qui est pour que le principal mode de transport, disons, à moyenne distance, soit le cheval, donc promouvoir les haras nationaux. Qui est plutôt contre ou sceptique? Ah, même Laurent. D'accord, donc tu la retiens pas celle-là. Elle est en discussion. Moi je vais vous proposer une seule proposition. Qui est contre le méthane? Vous n'avez pas posé la question. Si. Le contre le biogaz. Non, le biogaz, c'est du méthane. C'est du méthane. Oui. Ok. Oui. Le gaz à effet de serre. Oui, et il vaut mieux vous connaître que les j'ai pas entendu parler du soleil. Mais attends, j'ai commencé. Attends, ma première défaut, c'était ça. Non, c'est l'énergie solaire. Que du méthane. Il y avait une proposition qui était les modèles locaux complémentaires fondantes. Alors, qui est pour la monnaie locale fondante? Pas systématiquement. Qui est contre? Alors, une dernière proposition sur toute la partie financière, on pourrait en avoir plein, mais moi je vous propose une seule, c'est que de voter que pour le programme de 2017, les écologistes posent le principe de créer une société post-croissance dans laquelle cela... En reconnaissant, parce que c'est la post-croissance, je sais sûr que ça va être l'unanimité dans l'ensemble du parti, mais en reconnaissant donc logiquement que cela implique qu'il n'y a plus d'intérêt et donc il n'y a plus de spéculation financière possible. Oui. 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 Oui.